Et salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment ajouter les jaquettes manquantes de la console Xbox Game. Console pas terrible, mais bon. On achète un produit et on n'a pas les jaquettes. Enfin, les jaquettes, je vais vous montrer, on les a au début. Vous avancez, vous descendez jusqu'à 50. Voilà, 31, 36, 37, 38, 39. Voilà, à partir de là, on n'a plus de jaquette. Voilà, pour là, je suis dans Neo Geo. Et à partir de 50, j'ai plus de jaquette. Voilà, c'est formidable, c'est magnifique. Voilà, je descends tout en bas, il n'y a plus de jaquette. Voilà. Voilà. Les gars qui ont fait cette console, ils sont pas foulés. Hein. Ils ont mis les 50 premières jaquettes et puis allez hop, c'est terminé. Regardez pour la GBA, c'est pareil, la Game Boy Advance. J'avance, 27, 28, 29, 30, voilà, on arrive vers les 50, et voilà, il n'y en a plus, à partir de, voilà, 51, il n'y a plus de jaquette, voilà, voilà, je descends, plus de jaquette, c'est formidable, c'est magnifique, oui, il n'y en a plus du tout, hein. Rien. Les gars, ils savent compter jusqu'à 50 ou je sais pas, il y a un problème. Super NES, c'est pas la peine de regarder, elles y sont toutes. Oh, on peut regarder, jeter un oeil, mais elles y sont toutes. Voilà, 30. Voilà, ils ont fait un effort pour la Super Nintendo. Voilà, il y a 60 jeux, les jaquettes sont toutes là. Puis on va sur Mega Drive. Là, pareil, j'avance jusqu'au 50, 51, 50. Voilà, et voilà. Toujours pas de jaquette à partir de 50. Enfin, à partir de 51, il n'y en a pas. Voilà. Je descends. Il n'y a pas de jaquette jusqu'à la fin. Hein, jusqu'à. Voilà. Pareil. Rien du tout. Et pour la NES, la même chose. On avance. Jusqu'à 50. Voilà, et il n'y en a plus. À partir de 51, plus de jaquette. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment les ajouter. Alors déjà, il faut démonter votre console. Une fois démonté, vous verrez, il y a une carte micro SD. D'ailleurs, pour le démontage, j'ai déjà fait un tuto. Alors vous retirez cette micro SD, puis avec un adaptateur USB, vous branchez cette fameuse carte SD sur cet adaptateur que vous branchez sur votre PC. Alors pour commencer, on va télécharger les jaquettes. Je vous donnerai le lien dans la description. Télécharger. Une fois notre fichier téléchargé, nous l'enregistrons sur le bureau directement enregistré. On ferme, on insère notre adaptateur avec notre micro SD sur le PC. Alors ne soyez pas étonnés, hein, ça va faire bizarre quand vous l'insérez. Plein de fenêtres vont s'afficher, plein de fenêtres. C'est pas grave, on va les fermer. Hein. Avec la croix, tac. On ferme celle-là, celle-là aussi, on ferme tout, sauf celle-ci. C'est celle-ci qui nous intéresse. On double-clique sur le dossier Gempic. C'est ici où il y a toutes les jaquettes. On va faire glisser notre archive dans ce fameux dossier. Voilà. On clique droit sur l'archive. Extraire ici. Alors le mot de passe, je vous le donnerai. Bah, je s'inscris hein, de toute façon, mais je vous le donnerai quand même dans la description. Ok, voilà. Une fois l'archive décompressée, on va dans le dossier, on l'ouvre, on sélectionne tout.
on le coupe, on revient, on le colle avec les autres jaquettes. Voilà. Maintenant, on supprime notre archive. Elle est ici, supprimée. Et on supprime aussi le dossier vide. Il est là. Voilà, supprimé. Supprimé. Voilà. Oui. Et voilà, maintenant, ben, on va se retrouver sur la console pour voir ce que ça donne. Il n'y a plus qu'à débrancher la clé USB, on fait de l'adaptateur. Voilà, on se retrouve tout de suite. Alors, pour commencer, on va aller dans Neo Geo. On descend jusqu'à 50. Et voilà, on peut constater qu'il y a toutes les jaquettes. Voilà, ils sont toutes. C'est parfait. Il y en a jusqu'à... ouais, jusqu'à 114, je crois, vers là. Hein. Je crois que c'est Neo Geo, il y en a 114. GBA, Game Boy Advance, il y en a 140, me semble. Et si mes souvenirs sont bons, la Mega Drive 134 et la NES 154. Dans la Game Boy Advance, on a jusqu'à, voilà, jusqu'à 51. Et à partir de là, on a les jaquettes. Toutes les jaquettes. Par contre, il y a un truc qui est très choquant, c'est à la fin les derniers jeux de la Game Boy Advance. C'est vraiment pas terrible. Hein. Je sais pas où ils sont allés chercher. Je vais vous montrer. J'ai même pas trouvé les jaquettes tellement qu'ils sont pourris. Voilà, c'est ces merdes là. Voilà. Bon, ouais, c'est magnifique. Hein. Voilà, voilà. Il y en a une petite vingtaine quand même. Hein. Voilà, 140. Après, Super NES, c'est pas la peine, ils sont toutes. La Mega Drive. On avance jusqu'à 150. Enfin, 150, qu'est-ce que je dis, à 50. Voilà, Mister NES, blablabla. Tout est là. Il n'en manque pas une. Voilà, on va. C'est à partir de 51, toujours, hein, il n'y en avait plus. Et là, on peut constater eh ben, qu'elles y sont. Voilà, c'est plus joli, c'est plus sympa. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Ciao, ciao.